Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga. Et aujourd'hui, je vous propose de faire une petite séance de yoga détente avec les qualités de douceur, relâchement, laisser arriver le flow qui est en vous et accepter de se relâcher par le travail de la respiration. Alors, c'est parti. Je vous invite à passer sur le tapis. Installez-vous confortablement. Posture en tailleur pour commencer. Je vous laisse vous installer les mains sur les genoux. Adoptez une posture relâchée mais droite, digne. Vous pouvez fermer les yeux quand vous le voulez. Et puis accueillir le souffle qui est en vous, la respiration. Portez votre attention sur votre respiration. Aujourd'hui, par la respiration, je vous invite à travailler la détente, le ressenti de votre corps. Vous allez prendre trois grandes inspirations par le nez et une grande expiration par la bouche. À nouveau trois fois à votre rythme, inspirez. Chaque expire, je relâche les tensions du corps. Adoptez un rythme de respiration lente, calme. C'est aussi accepter de ne rien faire, laisser venir l'énergie qui est dans votre corps, telle qu'elle est, et l'accepter aujourd'hui, telle qu'elle est, ne pas la forcer, ne pas la diminuer, la laisser venir telle qu'elle est. Gardez votre attention sur votre respiration. À l'inspire, ressentez le souffle qui parcourt votre corps, le ventre se gonfle, la poitrine se soulève. Laissez l'inspiration venir jusqu'à la base de la gorge. Et à l'expire, expirez par le nez. Vous pouvez ressentir et écouter un petit bruit qui s'appelle la respiration du Ujjayi en yoga. Ce petit bruit au fond de votre gorge. Et à chaque inspire, laissez cette inspiration monter jusqu'au sommet du crâne, passer par votre ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève, l'inspiration qui passe par la gorge. Et laissez votre colonne vertébrale s'agrandir le long de la ligne médiane jusqu'en haut du sommet du crâne, comme si un petit fil vous tirait vers le ciel. Laissez ce souffle créer de l'espace dans votre colonne vertébrale. Et à chaque expire, regagnez de la détente dans votre corps, mais gardez cette posture digne. Prenez le temps d'écouter votre rythme respiratoire. Écoutez ce qui vient à vous. À l'inspire, je sens l'air qui rentre dans mon corps. Je sens le souffle qui parcourt mon corps et à l'expire, je laisse ce souffle ressortir. À l'inspire, je visualise l'énergie qui monte depuis le sol jusqu'en haut de mon crâne, jusqu'il parcourt mon corps, jusqu'en haut du crâne. Et à l'expire,
laisse cette énergie doucement regagner le sol. Puis je peux porter mon attention sur les sensations corporelles de tout mon corps, faire un scan corporel. Je ressens le contact de mes pieds sur le sol. Avec curiosité, je ressens les muscles de mes jambes, mes genoux, tout en gardant ce rythme respiratoire qui est le mien. Je peux ressentir les muscles de mes cuisses, mes fesses posées sur le sol. Sentir mon bassin qui est stable et fort sur ce sol, sur ce tapis. Je peux ressentir les muscles de mon ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Je ressens les muscles de la poitrine se soulever à l'inspire et retomber à l'expire. Je ressens les muscles de mon cou, mes cervicales, mes épaules qui restent basses, relâchées, détendues, qui peuvent reculer pour ouvrir l'espace du cœur, de la poitrine. Je ressens les muscles de mes bras, de mes avant-bras, mes poignets, mes mains posées sur mes genoux, mes doigts, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, posés tout en douceur sur mes genoux. Je ressens les muscles de mon cuir chevelu, de mon visage. Ma mâchoire est relâchée, la langue retombe à l'intérieur de la bouche et je détends les muscles du front. Et puis je peux porter mon attention sur les bruits qui m'entourent, les bruits dans cette pièce, ma voix qui vous porte. Est-ce que j'entends des bruits à l'extérieur de la pièce, dans la rue? Des bruits à l'intérieur de mon domicile. Et j'accueille tout ce qui vient au rythme de cette respiration qui accompagne mon flot, mon énergie du jour. Et je peux me féliciter d'accueillir cette respiration, ce souffle, et de m'accorder ce temps à l'écoute de mon corps, décider des histoires, des images, des bruits viennent à mon esprit, je les note à tout moment et je peux revenir à ma respiration, à ce moment présent. C'est l'instant magique où je suis dans le moment présent. Et avec curiosité et en gardant cette qualité de présence que je me suis accordée pendant quelques minutes, continue de garder cette attention à cette respiration. Je vais ouvrir les yeux et en pleine conscience pratiquer quelques postures pour me régénérer, accueillir ce flot, apaiser, calmer mon système nerveux. Je vais inspirer
Amenez mes bras vers le ciel. Commencez à bouger mes muscles, chauffer quelques muscles. Mes épaules sont basses. Je peux mettre mes mains parallèles ou je peux prendre ma main droite, mon poignet gauche dans ma main droite. Et à l'inspire, je pousse vers le côté droit pour étirer les flancs, réveiller les flancs, allonger les flancs, apporter le souffle tout le long du flanc gauche. J'essaie de garder le contact du bassin, de mes pieds, de mes jambes sur le sol. Et à l'expire, je reviens, je relâche les épaules. Les épaules sont basses, mais je recule les épaules pour ouvrir le cœur vers l'avant. À l'inspire, monte les mains vers le ciel. Main gauche, attrape le poignet droit. Et à l'expire, je pousse vers la gauche. Je garde le contact du bassin, des pieds, de mon corps, du bas de mon corps. Sur le sol, je recule le coude droit vers l'arrière. Je peux regarder vers le ciel, accueillir mon souffle. Et à l'expire, je repasse les mains sur le sol. Je vais passer en posture de la table, les genoux sur le sol, les mains pressent le sol, j'aligne mes mains en dessous de mes épaules, les genoux et les pieds sont sur le sol, largeur, écartée largeur du bassin, et je vais à l'inspire creuser le bas du dos. Depuis mon bassin jusque aux épaules. Et regarder vers l'avant, ouvrir l'espace du cœur vers l'avant. Je recule les épaules vers l'arrière pour lisser les clavicules. Et ouvrir et regarder dans la direction du cœur. À l'expire, j'arrondis le dos. Depuis le bassin jusque dans les épaules et je baisse la tête, mon menton rejoint mon sternum. Je presse les pieds, les coups de pied sur le sol pour amener un peu plus d'étirement de ma colonne vertébrale, de mon bassin jusque dans les épaules. À mon rythme, j'inspire et j'expire dans la posture. Prochain inspire, je creuse le dos depuis le bassin jusque dans les épaules, le regard doux vers l'avant. J'engage mon nombril et je l'amène vers la colonne vertébrale. Et à l'expire, j'arrondis le dos du bassin vers les épaules, je rentre la tête, menton contre sternum, je presse les pieds dans le sol pour agrandir, aller plus loin dans l'étirement du dos, allonger les flancs, amener votre souffle dans l'espace du dos, créer de l'espace entre vos vertèbres. À l'expire, je creuse une dernière fois le dos, regarde vers l'avant. Super, parfait. Avec curiosité, je recule le pied droit, je recule le pied gauche et je passe en planche. J'inspire et j'expire dans la posture en faisant des petits mouvements d'avant, en arrière. Accueillez le flot qui est en vous, l'énergie qui monte progressivement. J'inspire et j'expire dans cette posture douce.
mais qui fait circuler mon énergie. J'emmène mon souffle vers la colonne vertébrale, depuis le bassin jusqu'en haut de mes épaules. Super, je réveille les muscles de mes jambes, de mes bras, de mes épaules. Prochaine expire, je garde les talons à la reculée et chaturanga, je vais passer sur le sol. Je pose délicatement genoux, bassin, poitrine, les coudes se rapprochent du buste. Et je pose délicatement le front sur le sol et les pieds sur le sol. Je me reconnecte à ma respiration, mon souffle. Je vais préparer la posture du petit cobra. Je garde les coudes le long du corps, bien rapprochés du corps. Mes mains sont sous mes épaules. Ressentez l'énergie qui circule dans votre corps. Et à la prochaine inspire, je presse les pieds et le pubis sur le sol et légèrement les mains. J'utilise vraiment la stabilité de mes jambes, de mon pubis qui presse sur le sol. Regarde où vers l'avant, je recule les épaules. J'inspire et j'expire dans la posture. Prochaine inspire, j'essaie de décoller tout doucement les mains du sol. Reculez les épaules vers l'arrière, ramenez la pointe inférieure des omoplates ensemble pour ouvrir le cœur, ouvrir votre poitrine vers l'avant. Gardez cette stabilité. Vous pouvez bouger les mains dans cette posture. Remettez les mains sous les épaules. Reposez le front sur le sol à l'expire. Je ressens le calme par le souffle qui rythme mes postures. À l'inspire, je repasse en posture du petit cobra. Presse les pieds sur le sol, le pubis sur le sol. Regarde où vers l'avant, j'inspire. J'amène toute l'énergie depuis le sol vers le haut de mon corps. Et à l'expire, je relâche le front sur le sol. Je crochète les pieds à l'arrière. Je presse les mains sur le sol et je vais passer en chien, tête en bas. Dans cette première posture du chien tête en bas, je laisse mon corps se placer par le souffle. Je presse les mains qui sont parallèles sur le sol. Les pieds sont parallèles mais peuvent pédaler pour masser un petit peu la voûte plantaire. Je pédale pour trouver de l'aisance, de l'espace dans ma colonne vertébrale. À l'inspire et à l'expire, j'allonge les flancs. Les flancs restent longs. Je monte les ischions vers le ciel, les ischions, les petits os du bassin, du haut du bassin. J'amène les fesses vers le ciel. Je creuse le bas du dos. Je peux plier les genoux dans cette posture. Tout ce que vous ferez sera le bienvenu. Gardez votre rythme, votre souffle. Et à chaque expire, essayez d'enfoncer un petit peu plus les talons vers le sol. Je presse la base de chacun de mes doigts sur le tapis. Je ramène le menton vers le sternum. Je presse
petit peu plus le cœur vers le sol à chaque expire. Et à la prochaine. Inspire, je marche à l'avant du tapis. Et je relâche les bras, la tête, les cervicales. Inspirez, expirez dans la posture. Monte les fesses vers le ciel pour un peu plus de relâchement. Ressens l'énergie qui circule dans le corps. Prochaine inspire, je joins les mains à l'arrière du dos. Et à l'expire, je tire les mains vers l'avant du tapis. Allonge les flancs, laisse le souffle s'installer dans tout le corps et aider à l'étirement, l'agrandissement de la colonne, l'allongement, l'assouplissement des muscles, l'allongement des membres. À chaque expire, je vais un petit peu plus loin et j'amène mes mains un petit peu plus loin vers l'avant du tapis. Expire, relâche les deux mains et relâche les bras vers le sol. Inspire. Les mains sur le tibia, le regard doux vers l'avant. Expire, relâche les mains sur le sol. Et à l'inspire, je me redresse vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, mains sur le cœur. Parfait. Est-ce que ça va pour vous? J'espère. Alors, on va faire quelques postures sur le dos. On repasse sur le dos par une salutation. Inspire, main vers le ciel. Expire, je plonge les mains vers le sol. Inspire, les mains sur les tibias, dos droit. Le cœur vers l'avant, expire, je relâche les mains sur le sol, recule pied droit, pied gauche. Pose les genoux sur le sol et je m'assois sur mes talons. Je repose le front sur le sol, posture de l'enfant. Avant de placer les bras sur le sol, avec mon souffle, j'étire un petit peu plus mes mains sur le bout des doigts vers l'avant du tapis. À chaque inspire, j'essaie de laisser mes fesses coller sur les talons et les mains avancent un petit peu plus vers l'avant. Je ressens l'étirement des flancs droit et gauche. Laissez le souffle s'installer dans votre corps. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale. Grandissez-vous. Laissez de l'espace entre ces vertèbres. Amenez de la détente sur le haut de ce corps qui à la fois s'étire, s'allonge depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Les flancs sont longs. Ressentez le bien-être de l'allongement des flancs. Je peux sourire si je suis bien ou pas. J'accueille ce qui est là. Et je relâche les épaules, les bras vers l'arrière, comme demain. Vers le ciel, à chaque expire, je relâche les épaules un peu plus vers le sol.
Inspire. Presse les mains sur le sol, redresse le buste vers l'avant. Excellent. Je vais m'asseoir sur le sol. Et je vais faire quelques torsions. Allonge la jambe droite. Stable, pied flex sur le sol. Plie le genou gauche. Amène le pied le plus près du bassin. Ressens la stabilité de ses jambes sur le sol. Inspire, monte le bras droit vers le ciel. Expire, avec le coude droit, je crochète le genou gauche et je presse vers le buste, ma cuisse gauche. À l'expire, place la main gauche à l'arrière. Et on fait une rotation sur la gauche. Gardez le souffle dans cette posture. Inspire, je me grandis comme si un petit fil tirait le haut sommet de mon crâne. Presse bien la main droite, la cuisse. La main droite pour presser la cuisse gauche sur mon ventre. Ça fait un massage abdominal. Et à chaque expire, ouvre un peu plus, recule l'épaule gauche vers l'arrière, lisse les clavicules. Et ouvre le cœur vers la gauche. Le regard est doux vers la gauche. Et à chaque expire, vous allez un petit peu plus loin dans la torsion. Presse aussi la jambe droite sur le sol pour aller un petit peu plus loin. Ça nous aide dans la torsion. À l'expire, je souris, je reviens. Une torsion de l'autre côté, j'allonge les deux jambes sur le sol, jambe gauche, pied gauche flex sur le sol, je plie la jambe droite, je ramène mon pied droit le plus près du bassin, inspire, lève la main gauche vers le ciel, je me grandis, expire, je crochète le coude gauche sur mon genou droit et je presse la cuisse contre mon abdomen, mon buste. Expire. J'amène la main droite à l'arrière. Je recule l'épaule droite et je presse cette main sur le sol, cette main droite, pour aller un petit peu plus loin à chaque expire dans la torsion. Le regard est doux vers la droite. Je peux sourire dans la posture. Gardez votre souffle, votre rythme. Excellent, je reviens. Je relâche les deux jambes. J'en profite à l'inspire. Je peux placer mon bassin en reculant les ischions, en reculant fesse droite, fesse gauche pour être bien stable sur mon bassin quand je suis assise sur le tapis. Les deux jambes sont fixes, écartées, largeur du bassin, les pieds flex. À l'inspire, j'amène les mains vers le ciel, je grandis ma colonne vertébrale, les épaules sont basses. À l'expire, la pince. Je viens, j'amène mes mains. Où je peux, ça peut être sur les tibias, sur les chevilles, peu importe. À l'inspire, j'allonge la colonne vertébrale, je crée de l'espace dans les vertèbres. À l'expire, je ramène mon cœur vers les genoux, la tête vers les tibias. J'essaie de garder le dos droit. Utilisez votre souffle pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement.
L'étirement de l'arrière des jambes, je sens la posture, je ressens l'énergie qui circule. Tout en douceur, en pleine conscience, gardez cette qualité de bienveillance de votre corps. Peu importe la forme que votre posture a, l'essentiel c'est de travailler et d'assouplir et d'être dans ce moment présent avec votre souffle qui rythme votre séance aujourd'hui. Gardez une bienveillance et une écoute de votre corps. À la prochaine, expire, je reviens. Et je vais passer allongée sur le dos. Je vais faire la posture du demi-pont. Presse l'arrière du crâne sur le sol pour garder la cambrure normale des cervicales. Essayez de garder l'espace entre le menton et le sternum, comme si vous alliez accrocher une balle. Gardez cet espace-là. Les bras le long du corps. Je ramène les pieds, je plie les genoux. Je ramène les pieds au plus près du bassin. Les genoux écartement du bassin. J'essaie de remplir les lombaires pour éviter le creux de la colonne. Les coudes sont près du buste. Je peux garder les mains comme ceci. Et puis à l'inspire, je presse les pieds sur le sol. Je presse les coudes sur le sol. Et je monte tout doucement le bassin vers le ciel. Si mes genoux ont tendance à s'écarter, je les rapproche, largeur du bassin. À l'inspire, j'amène le souffle et je garde les flancs longs. J'amène de l'espace entre ma colonne vertébrale, entre les vertèbres. Et si je veux aller un peu plus loin dans la posture, je joins les mains sous les fesses. Je rapproche tout doucement les épaules et les omoplates l'une vers l'autre. Et je presse à l'expire, je monte le bassin un peu plus haut vers le ciel. Et je souris dans la posture. À chaque expire, je ressens mon cœur et ma poitrine qui ouvrent l'espace du cœur vers le ciel. Une ouverture de la poitrine. Et à l'expire, je relâche le bassin sur le sol, les mains le long du corps, je relâche les jambes. Et je vais faire une torsion sur le sol. Jambe droite sur le sol, pied flex. Je ramène le pied. Je plie le genou gauche, pardon. Je ramène le genou avec mes mains, le genou gauche sur ma poitrine. On va faire une torsion à droite. Presse avec la main droite le genou gauche. Allonge le bras gauche sur le côté gauche, perpendiculaire à mon corps. Inspire, expire, presse la main sur le genou et laisse retomber le genou sur le côté. Et j'essaie d'amener le regard vers la gauche. Essaie de garder l'épaule gauche sur le sol. J'inspire et j'expire dans la posture. À chaque expire, j'essaie d'amener le genou un petit peu plus. Un petit peu plus loin sur la droite. Prochaine expire, je reviens le genou gauche.
près de la poitrine, je presse mon genou gauche sur la poitrine, je relâche la jambe gauche au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Je plie le genou, 3. Ma jambe gauche est stable, pied gauche flexe sur le sol. Inspire, j'emmène le genou droit et je presse mon genou sur la poitrine. Ça fait du bien. À l'inspire, presse main gauche sur le genou droit. À l'expire, la main droite vient perpendiculaire sur le côté droit. Et j'amène mon genou droit vers la gauche. Je laisse retomber tout doucement. Essayez de garder l'épaule. L'épaule droite sur le sol. J'amène de la détente pour pouvoir aller un peu plus loin dans la torsion. Et à l'expire, je reviens. Je vais plier mes deux genoux, presser mes deux mains sur mes deux genoux contre ma poitrine. Basculer d'un côté de l'autre pour masser le bas des lombaires, le bas du dos. Et puis je peux ouvrir les pieds en posture du bébé heureux. Pieds flex. Les genoux et le sont ouverts. Je peux attraper mes mains, mes pieds pardon, avec mes mains, comme je peux. Je peux effectuer des mouvements à droite, à gauche, comme un bébé qui tourne dans son lit. Laissez le rythme de votre souffle. Pressez les mains sur les plantes de pied pour trouver cet écart. Je peux relâcher tout doucement mes pieds sur le sol, passer en posture Savasana pour un moment de relaxation. Je peux me rhabiller, me couvrir si j'ai besoin. Les deux jambes sur le sol, les pieds légèrement écartés qui retombent sur le sol, mes deux mains le long du corps, un peu écarté de mon buste, paume de main vers le ciel. Pour un peu plus de confort, si vous avez la cambrure qui s'installe, vous pouvez plier les genoux et rapprocher, faire se coller les genoux entre eux, ou poser un coussin sous vos genoux. C'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez votre posture. Je peux fermer les yeux pour m'accorder ce moment, ces quelques minutes de relaxation. Accueillir le souffle, le flot qui est en vous aujourd'hui, l'énergie qui est là. Me remercier de m'accorder ces instants pour moi, ces instants de pratique de yoga, de relaxation, d'accueillir ce qui est là en moi. Et puis maintenant, accepter de ne rien faire. Laisser la respiration s'installer dans tout mon corps. Relâcher les épaules sur le sol, relâcher le cuir chevelu. Sentir les muscles du front se relâcher, les muscles des paupières qui se relâchent tout doucement. Les muscles des mâchoires se relâchent, la langue se décolle du palais, je relâche les muscles des cervicales, je presse un peu plus l'arrière du crâne sur le sol pour
Relâchez mes cervicales. Relâchez mes épaules. Les épaules sont basses. Relâchez les muscles des bras. Les coudes sont sur le sol. Relâchez. Les avant-bras sont relâchés. Je relaxe les muscles des mains, des doigts. Je ressens tous les muscles du dos se relâcher sur mon tapis. Les muscles du ventre sont équilibrés par le souffle. À chaque expire, mon ventre se dégonfle et se relâche un peu plus profondément sur le tapis. Les muscles de mon bassin se relâchent, sont détendus. Les muscles de mes cuisses se détendent sur le support. Mes genoux se relâchent un peu plus sur le tapis. Je sens que les muscles de mes mollets sont complètement relâchés. Les chevilles sont relaxées. Les muscles de mes pieds se détendent un peu plus. Laisse relâcher mes pieds un peu plus de chaque côté sur le tapis. Les muscles des orteils sont détendus. À chaque inspire, je ressens la circulation de mon énergie qui flotte dans mon corps qui est détendu sur le tapis. À chaque expire, je laisse l'énergie replonger vers le sol, relaxer mes muscles un peu plus. J'accueille ce flot, ce rythme. J'accueille cette douceur, cette détente, cette relaxation avec bienveillance et avec curiosité et pleine conscience. Je peux être là, ici et maintenant, dans ce moment présent. Je ressens tous les muscles de mon corps détendus de plus en plus sur le sol et je suis bien. Je peux accueillir les bruits autour de moi, me laisser porter par ma voix. Et si mes projets, les idées viennent à mon esprit, je les note. Je les laisse passer avec bienveillance et je reviens à ma respiration qui me détend et qui accueille ce moment présent. J'accueille ce silence autour de moi, s'il y en a, ou les bruits. J'accueille ce souffle. Et petit à petit, en prenant conscience de ma voix, vous allez revenir à l'instant présent, ici, maintenant, bouger les muscles des doigts, des pieds, des jambes. Pliez les genoux, peut-être sur le sol. Et puis basculez sur un côté de votre tapis ou l'autre. Restez dans cette posture du fœtus. Ouvrez les yeux quand vous le souhaitez.
Prenez une grande inspire et pressez la main qui est sur le sol pour vous aider à vous redresser. Assise sur le tapis. Revenir ici maintenant. Et je vais vous remercier. Main sur le cœur. Merci de m'avoir suivi. Gardez cette qualité de présence en vous, cette relaxation, cette détente de votre corps tout au long de votre journée. Restez dans cette qualité de calme et appréciez ce moment que vous vous êtes accordé. Et merci à tous, à très bientôt.